les téléspectateurs connaissent enfin le casting complet de Danse avec les Stars. Cette année, TF1 a fait les choix de pré-enregistrer les deux premiers épisodes de la saison, mais aussi de séparer les candidats en deux groupes. Le 17 septembre dernier, lors du lancement de la saison, les adeptes du programme ont ainsi pu découvrir les 6 premiers candidats, dont Weijden, Bilal Hassani ou encore l'actrice Lucie Lucas. Mais en ce vendredi 24 septembre, c'était au tour de leurs 7 concurrents de dévoiler leurs talents. La première à être passée sur le parquet n'est autre qu'Aurélie Ponce, vedette de la série Sitôt commence. Pour sa première prestation au bras d'Adrien Gabi, l'actrice de 25 ans avait choisi de danser un tango argentin sur le morceau Setring d'Ariana Grande. Mais la jeune femme a été victime d'une petite mésaventure. Alors que sa chorégraphie touchait à sa fin, elle a été victime d'une violente chute. La petite protégée de TF1 a maladroitement glissé sur une marche sur laquelle elle essayait de monter. Loin de se moquer d'Aurélie Ponce, qui a d'ailleurs reçu des avis très positifs de la part du jury, les internautes se sont montrés compatissants à son égard. La plupart s'est surtout dit très choquée par la violence de sa chute. Il faut dire qu'elle-même n'a pas caché être impressionnée lors de la seconde partie de l'émission. En effet, après chaque prime, Karine Ferry revient avec les candidats sur leurs prestations au cours de la soirée. Et elle ne pouvait décemment pas éviter le sujet. Comment se remet-on après une petite erreur? A-t-elle ainsi demandé à l'actrice aux jambes interminables, tout en rediffusant l'extrait. Une petite erreur? Ah oui, d'accord, quand même. Virgule a réagi Aurélie Ponce en découvrant les images de sa chute pour la première fois. Avant de préciser que tout allait bien pour elle. Son partenaire de danse n'a d'ailleurs pas manqué de la soutenir en précisant, c'était chorégraphique hein, la séquence aura en tout cas beaucoup fait réagir.